Eh bien bonjour Canal Gym, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance d'abdominaux. 50 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 4 exercices, 3 tours. Au niveau des exercices, comme d'habitude, rien de compliqué parce que comme il y a très peu de pauses, il vaut mieux que l'exercice soit facile pour que tu puisses les enchaîner, d'accord, sans trop de réflexion. Il te faudra prendre un disque de 5 ou de 2,5 si tu veux pour le deuxième exercice, ce n'est pas une obligation, d'accord. Si tu n'en as pas ou que tu ne veux pas en prendre, tu n'en prends pas. D'accord? Donc moi, juste après ça, je lance l'introduction, comme d'habitude, et on attaque. Allez, donc on y va. Je lance le chronomètre, tu as 10 secondes pour t'installer. Premier exercice, c'est tout simplement un ramené de genoux, mais avec le crunch bloqué. Donc je te montre, tu montes le buste ici pour bloquer et tu ramènes uniquement les genoux. On est bon? Allez, 50 secondes. Tu places les deux mains derrière la tête, ce qui te permettra de ne pas avoir mal au cervical. Serre bien tes abdominaux, ramène les genoux, aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, ce n'est pas un concours de vitesse, il faut que tu contrôles ton mouvement. Surtout pas de douleur au niveau des cervicales. Pour ça, j'aime bien prendre les deux pouces et toucher mes cervicales. Si elles sont souples, c'est que la tête est bien posée dans les mains. Voilà, encore. Hop, aspire bien le nombril, restons ensemble, hop, voilà, ça c'est bien, hop, hop, encore, oui, dernière fois, ok, prochain exercice, c'est là où tu auras besoin du disque, on va placer le disque devant et on va poser les pieds au sol et on va faire un crunch complet, comme ceci, et tu reviens. Donc tu rentres le menton, tu pousses, tu te grandis, tu vas toucher le plafond, tu déroules la colonne et tu repasses. Hop, grandis-toi, aspire le nombril, toujours vers la colonne vertébrale. Hop, voilà, tu vas chercher la diagonale haute, bien devant toi, les épaules basses. Hop, inspire en descendant, souffle en remontant. Ouais, encore. On a fait la moitié. Il n'y a que 3 tours, hein. Pense-y, même si c'est un peu long. Hop. Ok. Prochain exercice, la chandelle. Tu places les mains au sol, tu lèves une jambe et puis l'autre, et tu vas pousser le talon et les talons vers le plafond, comme ceci. Hop. Alors, ne ramène pas les genoux pour faire une roulade, ça ne sert à rien. Hein. C'est pousser les pieds vers le haut. Tu auras une petite amplitude de travail, ce n'est pas grave. Aspire toujours le nombril vers cette colonne vertébrale. Voilà. Encore. Voilà. Ça veut bien travailler la sangle abdominale sans avoir un grand mouvement. Hop. Oui, je sais, il est dur. Hein. Tu es en train de te dire, purée, il est dur celui-là. Et c'est que le premier tour. Hein. Je pense qu'il y en a 3. Allez, encore. Ok, troisième tour, extension de jambes, d'accord, ou bicyclette comme on dit de temps en temps. Donc tu vas faire une extension en croisant. Hop, c'est parti, comme ceci. Hop. L'alternative serait de taper uniquement la pointe des pieds. D'accord, si c'est un peu compliqué, tu peux croiser, poser, croiser, poser. Ok? Et sinon, tu enchaînes. Dégage bien le menton de la poitrine. Tu as vu que le bas du dos, à moi, il reste en contact avec le sol. J'ai monté les épaules. Et c'est vraiment un croisé. Je regarde toujours le plafond. Hop, en faisant de l'espace entre mon menton et ma poitrine. Hop, pas de douleur au niveau des cervicales. Ouais, bien, bien. Hop, encore, encore. Ok, on revient sur le ramené de genoux crunch bloqué, deuxième tour, 3 au total. Replacez-vous, ramenez les genoux, main derrière la tête, monte le buste et on ramène les genoux. Hop,
Voilà. Là, si un peu comme moi, tu vas commencer à sentir que ça chauffe un petit peu quand même. Hein. Tu peux croiser les jambes si tu veux. Hop, ça soulagera un petit peu les fléchisseurs de hanche d'un côté. Voilà. Continue à bien contrôler. Hop. C'est bien ça. Je sais que c'est pas facile de faire du sport à la maison. Pour moi non plus, c'est pas facile de faire du sport tout seul dans une salle. Mais on essaie de s'accrocher. Au moins ça. Au moins les 2-3 vidéos que je fais dans la semaine. Allez, plus le live. Si déjà tu fais ça, c'est très très bien. Hein. Allez, encore. Oui. Alors, le crunch complet avec le ramener. Hop, le crunch complet avec le poids devant toi. Hein. Allez, hop, crunch complet. Souviens-toi, hein. On rentre un peu le menton, on se grandit ici, on aspire le nombril, on retient. Si c'est trop dur, tu fais juste ce mouvement-là. C'est-à-dire juste un décollé d'épaule, hop, en gardant le bas du dos en contact avec le sol. Si déjà tu sens bien les abdominaux, c'est très bien. Ensuite, tu peux monter, mais sans le poids. Allez, encore. Il reste une dizaine de secondes. Bien. La chandelle. Allez. Une jambe, deux jambes, vous mettez et vous montez. Vous poussez, hop, vers le haut. Poussez les pieds vers le haut. Encore. Extension de jambes, plus ou moins rapide, je te laisse le choix du rythme. À toi de voir. 50 secondes toujours. 3. Montez le buste et venez croiser. Hop. Pensez à votre alternative. Si c'est trop dur, tu peux laisser les pieds au sol et venir uniquement pousser le coude vers le plafond. Comme ceci. Tu as vraiment le choix de l'exercice. Le tout, c'est de pousser le coude vers le plafond et de sentir le travail des obliques et du crunch. Enfin, pardon, des obliques et de la ceinture, du grand droit. Ouais. Oh, il pique celui-là. Ramenez le genou crunch bloqué. Troisième tour. Allez. Oh, il est parti. Monte le buste. Ramène les mains. Il ramène les genoux. Hop. Aspire le nombril bien vers la colonne vertébrale. Relâche les cervicales. Sens bien le travail au niveau des abdominaux. Encore, 10 secondes. Ok, bien. Crunch pied au sol avec le disque. Ou on va monter complètement en haut. Hop, sur une amplitude complète. Et on est reparti.
Chandelle? Et on est parti. Hop là. Hop là. Allez encore. Ouf, ça chauffe, je sais pas chez toi, mais chez moi ça chauffe, ça sent le cramé. Oh là là. Oh. Celui-là il fait mal, hein. Je pense qu'elle a fait, je faisais que des petits mouvements un peu ridicules. Allez, extension de jambes pour le dernier, courage. On est parti. Pense à l'alternative si c'est un petit peu trop compliqué, avec juste les pointes de pied au sol. Sinon, tu tends les jambes. Si tu as mal au dos, tu tends les jambes plutôt vers la diagonale haute. Si ça va, tu peux descendre un peu plus les jambes. Pensez par contre à monter le buste. Hop. Hop. En montant le buste, ça replaque un petit peu les lombaires au sol. Hop, on accentue pas sa cambrure, mais on la fait pas disparaître. Vingt secondes de travail, les derniers. Encore, allez. Ok. Eh bien, Canal Gym, bonne séance. Je me suis régalé. J'espère que tu t'es régalé autant que moi à faire cette petite séance en 50-10 sur 3 exercices, sur 4 exercices et sur 3 tours. Ça piquait bien. Ben écoute, j'espère que ça t'a fait plaisir, que tu as bien travaillé, qu'on a bien transpiré ensemble. Je te fais un gros bisou, comme d'habitude, aseptisé. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo à Canal Gym. Bye bye.